Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombong. Dans là, il y a application sans doeuvre au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le quoi la bénéfice, donc il n'y a pas mieux télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on il y a téléphone, na yo, plus facile. Il n'y a pas mieux. Sénateur, quelles sont les attentes et erreurs à éviter pour le gouverneur, le sénateur Oyo, qui a voté, et puis cumul des fonctions en RDC, comment y remédier, tu vois que les problèmes, il y a cumul des fonctions, et ça, c'est une mini opinion publique, donc le bilango, Natango et Lelo, voilà tout. Pour la thématique, alors, tu reçois quelques sujet d'actualité, il y a Tongo Lelo, le chef de l'État Félix Tshisekedi, et Longo na première dame, Mbama Kilobi, mardi 30 avril, na Palier Élysée, na les solo na Bango, Abetaki, Marambeta, l'insécurité, Oezo régné na Est, il y a RDC, Rwanda, le Rwanda a été pointé du doigt au palais de l'Élysée, la RDC et la France se sont mis d'accord pour que la paix revienne dans la partie Est du pays, après trois décennies des conflits armés, des déplacements de la population et des ingérences étrangères. Le chef de l'État a déclaré qu'on peut compter sur la France pour trouver la paix. Yemora Lobby Kezali, danger, mais à assumer Yango. Alors, autre chose, la France est prête à soutenir la RDC pour cartographier toutes les ressources minières. Elle veut travailler ensemble avec le gouvernement congolais pour mettre en place une plateforme et un mécanisme pour la traçabilité de tous les minerais. La France soutient ce mécanisme qui permet de lutter efficacement contre le trafic de tous les minéraux. Voilà. A déclaré le chef d'État français Emmanuel Macron. Alors, c'est bien, il a proposé Edouard, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ils allaient rendre Busso un peu plus redevable été la France? Affaire à suivre. Ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, la Cinco, appelle aux chrétiens particulièrement catholiques et aux Congolais en général au calme, et car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes. C'est ce qu'a indiqué la Cinco dans un communiqué publié hier mardi. De suite à la correspondance du procureur général près la Cour de cassation qui date du 27 avril, Oyelobaki qui est premier tour cardinal convoqué à Sakinagi qui s'est représenté, Balobi Ezali réfuté et zappé manque à considération envers la justice. Et puis enfin, le monde célèbre ce mercredi 1er mai la journée mondiale des droits des travailleurs et travailleuses. C'est une journée de lutte qui est célébrée dans plusieurs pays du monde entier. En RDC, le thème retenu pour cette année est paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. Et la journée est déclarée chômée et payée par le gouvernement. Voilà tout pour la actualité. Yalelo na tongo pour la Congo et l'Otoyambi. Deux invités, tous allés bongo na maître Eric Bisselo au Azali à opposition. Maître Kimoto Boyebolam. Maria, merci pour l'invitation à mon collègue le 1er mai 2024. Azali à Solo, mon collègue. Célébration ou bien il y a manifestation,
il y a ma condition de vie à travers na katia mokili surtout particulièrement na katia mboka na biso la République démocratique du Congo. Encore que faille-t-il que nous ayons des travailleurs, des Congolais, de surcroît, qui peuvent bénéficier de la protection de cette qualité de travailleur avec les conditions sociales inhérentes, c'est-à-dire sécurité sociale, conditions de travail décentes, salaire minimal. Tout cela, ça ne fait que partie de la lutte. Et ce n'est pas, en soi, la situation actuelle n'est pas une finition en soi, mais c'est un combat que nous devons mener ensemble pour nous améliorer les conditions de vie. Cela dit, cela rejoint effectivement le projet ou bien le vœu fait par les chefs d'État de créer 6 400 000 emplois. Il est vrai que aussi longtemps que nous n'aurons pas des entreprises, nous n'aurons pas des investisseurs, nous n'aurons pas 6 400 000 emplois. Et les jours passent de surcroît. Le mandat est vite, l'échéance du mandat est vite arrivée. Donc il faut travailler en conséquence pour faire espérer, tant soit peu, les Congolais que la condition de vie s'améliore. Les conditions de vie des Congolais ne s'améliorent que par le travail, pas autrement, pas par les détournements, pas par les vols, pas par les trafics des minerais, mais que par le travail. Merci. Et d'ailleurs, permettez-moi de saluer mon compatriote qui est un ami, qui est un frère, qui malgré les divergences de points de vue ou bien ça peut être aussi des camps politiques, c'est un compatriote avec lequel j'ai le plaisir de partager et dans certains points nous rejoignons, notamment sur la ville-province de Kinshasa dont nous avons vu le ticket gagnant réussir cet exploit. Merci. Matondinde Kwerik, nous avons un docteur Patricien Gongo, Awazali, Nangambuya, MLC, Union Sacrée, Mbote Indeko, Patricien Boyebolam. Madame Maria, merci pour cet honneur, merci pour votre invitation. Je crois que Lilouis a la première fois dans le Capo et na plateau Nabino pour le Congo. Je salue Naomi Pila parce que je l'ai dérangé plusieurs fois. Je lui avais même dit parfois des phrases choquantes. Ce qui est qui sort, pourquoi? Mais je suis ravi que je puisse être là. Je la salue là où elle se trouve. Très bien. Je salue le cadre et militant du mouvement de libération du Congo. Je salue le chairman lui-même, Jean-Pierre Bemba. Je salue Maître Eric Bisselot, une personne dont nous partageons parfois des réflexions qui peuvent être convergentes ou divergentes. Mais ce qui est beaucoup plus nécessaire, c'est que le Congo gagne. Je crois que nous passerons un bon moment ici. Matondi Ndiko, Patricien. Alors, élection à gouverneur, à sénateur. Où est-ce que l'élection est en train? Bon, sur le plan général, il y a un bien au Malamu, parce que seulement, qui parmi le communicateur majeur il y a Kolobe Latiki Wana, il y a Daniel Bumba Nandeko Edi Yeli tout gagné l'élection, mais seulement qu'il y a des constats que je fais sur l'ensemble de la République, ce qui place Moussousou la médiocrité a primé. Bah côté Moussousou il y a pas, tu sais, un pays de Lumumba, un pays de Kimbanvita, un pays de ceci, mais on va mettre dans la tête de certaines provinces des personnes qui ne devraient pas être. Pourquoi? Parce que seulement, Madame Maria, nous avons un sérieux problème dans nos partis politiques. Le casting pose problème. Je ne sais pas pourquoi les intelligences sont en fuite ou quoi. C'est ce que je me pose parce que ce côté là, province Moussousou, malgré que nous sommes de l'Union Sacrée, mais vous savez, ces pays nous appartiennent tous. C'est un héritage commun. Nous devons être lucide et cohérent quand nous faisons, quand nous parlons de l'État, quand nous parlons de la gestion de la chose publique, il faut chercher des personnes au moins à un niveau du Congo. Tu sais, le Congo est un pays vaste. Si vous le mettez à sa tête, la tête par exemple de la province du Bas-Congo par exemple, vous voyez la personne qui est élu gouverneur, je ne savais, je ne le connaissais pas, mais en lisant les vidéos que je vis sur les réseaux sociaux, j'étais estomaqué de constater que comment un parti politique peut donner de telles qualités des personnes comme Tiké. Il n'y en avait pas de meilleurs que lui et qu'on sort. Bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres raisons que la raison de la cognostie, mais moi je crois que la cognostie doit primer au-delà de tout, au-delà des clientélismes et qu'on sort, nous devrons, si nous voulons, vous savez, nous sommes un pays décentralisé où la province juste de l'ère autonomie.
si nous voulons que nos provinces puissent décoller, nous devons voter des gens à l'aide d'un programme et puis qu'on puisse avoir des profils, les comment est-ce qu'on appelle, on appelle ça ce que tu as, hein, ce que tu as de mieux, c'est la capacité intellectuelle, la capacité managériale, mais quand on met les derniers de la société ou la personne... Peut-être que le programme n'est pas là qu'il y a des collègues à tenir ça. Mais le programme, il faut que... Moutoundé, il y a un programme. Ça veut dire que yo et bakoko comme le TFC tout est je sais pas travail de fin de cycle pour aller professeur va détecter qui va comme lié parce que natango aye nango ko présenter kaka économie nango pose problème c'est que professeur abi non est-ce que toi vraiment tu as écrit ce travail, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas un pays de chanceler Kopamba. Non, vous savez, nous avons un devoir sérieux pour cette nation. Nous devons montrer à ces enfants-là, à ces gens-là qui sont dans des universités en train d'étudier, que seule la méritocratie peut vous élever. Seule vos capacités, votre manière de travailler peut vous élever. Mais si dans une société, nous commençons à montrer même aux autres que le valeur démocratique, les valeurs, la qualité de l'homme ne compte plus, vous allez voir les Kindings ou devenir demain, je sais pas, gouverneur. Vous allez, tu vois, ça veut dire que nous voulons que quand il y a de telles choses, qu'il y ait des castings, ça veut dire qu'on puisse quand même nous présenter. Bon, quelqu'un ici n'est pas fort en ça et ça, mais regardez ce qu'il est capable de faire. Il est fort en ça, mais je vous dis que c'est désolant. Et puis là, c'est... Bon, je crois qu'il y a un autre sujet où on va parler de cumul de fonctions et consorts. Là encore, c'est grave. Madame Maria, aux élites qui nous suivent, nous devons penser à un grand Congo. Le Congo, nous devons le repenser parce que... Les Congos, si nous continuons comme ça sera compliqué demain. Maton Dimbing Ndeko, Patricia Ndeko, Eric, où y'a pas qu'une élection, tout va résulter. Bon, sincèrement, moi, je suis déjà dans une. Dans la phase, me sous complètement. Non pas avec les candidats actuellement, mais avec le régime. Donc, depuis les élections, nous sommes complètement en déphasage. Je crois que le processus électoral et puis la CENI dans sa composition. N'a pas élevé le débat démocratique et permettre aux Congolais qui ont du bossin d'avoir valeur haute, on aimerait tout défendre. Et que là, on a Moni qui s'est accentué, il y a le système qui a gangréné, même parce qu'il y a eu un changement de la classe politique. Hein. Il ne faut pas écarter cela, nouveau ministre, ainsi de suite. Mais je crois qu'ils ont été vite avalés par le système. Et ils ont exacerbé même le système parce que en voulant rester dans ma poste, comme ils sont dans ma conscience, en cascade. Oui. Bah, sont des journalistes, font lire ses chaînes pour traiter, pour insulter, pour attaquer, pour aller chercher le mal chez l'autrui. Pas pour la République, pas pour les Congolais, mais pour Nakakaya Kolongo, la Muninga, la Moussala. Je crois qu'en même temps, nous avions vu que le chef d'État avait créé des structures attachées à la présidence, à PLC, ainsi de suite. C'est bizarre que nous n'entendons pas parler de ces services-là. Qu'ils aient effectivement bakangi mutupo na corruption, bakangi mutupo na anti-valeur. Il y en a pas en fait. Pour eux, tout va bien. Et donc, depuis les élections, on est complètement en déphasage. Étant donné que les élections pour nous, ça a été pollué de manière irrécupérable, tout ce que nous pouvions faire, c'est rejoindre la CENCO et dire nous attendons patiemment que le chef d'État finisse son dernier mandat pour que nous rêvions dans notre Congo. Mais au regard de l'évolution, nous avons constaté. Détecté auprès de certains membres des partis politiques de la place une envie folle de transformer la République en devenir nanéti autocratie bien dictature. Et ça, nous disons non. Ça, nous disons non. Nous sommes obligés de revenir à tout le bac. Non. Il y a un beau canabinota. Tout était au talabinonne, au baby, samboko, au yibamboko. Nous ne pouvons pas compter sur vous pour changer beaucoup, puisque vous êtes devenu vous-même porteur des antivaleurs, porteur du cancer, ce que vous avez combattu pendant des décennies, vous les avez exacerbés. Vous critiquez qui Kabila, vous l'exhibissez dans le domaine de Kabila. N'a rien, même pas dans l'exemplarité comportementale. Ezaleli, même pas. Les alliés qui disent que tu es dans l'anda, que tu es dans la classe, dans la société. C'est-à-dire si tu étais bien éduqué, même aux âmes bolas, aux âmes bien éduqués. Ce que nous avons vu nous fait croire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à espérer. Les alliés qui élections, les alliés qui élections, l'homme peut toujours changer. Très bien. Mais il faut une impulsion. Il faut une impulsion.
Tout le monde, l'élection est pour nous et concernait plus bataille Union Sacrée. C'était né dans le Bakango, Union Sacrée, opposition et Union Sacrée, dans quatre élections, Union Sacrée. Même la première, d'abord, ne nous concernait pas. Et en définitive, nous ne pouvons que prendre acte de ceux qui ont été élus. Mais bien sûr, parmi ces gens-là, il ne faut pas retirer Batunos dans quatre. Il n'y a pas ni moral, parce que tous les fruits sont pourris. Non. J'ai dit que chacun peut changer, devenir meilleur, à condition qu'il y ait une impulsion. Est-ce qu'il y a une impulsion? Non. Est-ce qu'il y a des espérances? Non. Mais on regarde par exemple Bandeko qui sont lui au gouvernement de la ville province de Kinshasa. Il peut y avoir un espoir. Parce que c'est une nouvelle classe, c'est une jeunesse. Et ils n'ont pas fait économie du travail avant comme Mawana. C'est-à-dire que c'est le seul où j'ai vu à lui programme dans les Aboué. À quelques défendre dans les médias, à Tekiango, on n'est séduit pas, on n'est emballé pas. Mais c'est déjà un rêve, il faut rêver. Oui. Et donc, tant que tu as pris sur espoir, Wana, photo kende. Mais il y a un bémol. Wana dans le bango, parce que Daniel Bumba, c'est quelqu'un que je porte, son estime. Mais il ne faut pas à côté vite dans les travers. Déjà, ma vidéo va nous circuler, puis mina déjà les listes. Il ne faut pas. Non, c'est devenu un homme d'État. Ils sont devenus des hommes d'État. Vu la province de Kinshasa est un pays. Il ne faut pas. C'est vrai, toi encore dans moi, euphorie. Mais la communication, c'est aujourd'hui que ça commence. Mm-hmm. Pour, dans un mois, dans deux mois, tu dis, ah, moniteur, bandagi déjà n'a pas bien sûr, rythme en haut. Alors que c'est quelqu'un, on a moni, n'a ébiqué. Volontaire, on s'en les allait. Ayoka, teke, parce qu'à outil, n'a été PS, a commis ça, vu la province de Kinshasa, ville, il y a parti, UDPS, et Simbaté. Il ne faut pas que le gouvernement de la ville province de Kinshasa, comme un siège, il y a force du progrès. Non, et Simbaté. Il faut élever, c'est l'État qu'il faut. Il faut travailler pour les Kinois dans leur ensemble. Il faut redorer cette image, vision, Kinshasa, Tokende. Certainement, 5 ans, ce n'est pas suffisant, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais c'est déjà une vision. Oui. Et être jugé, s'il a même fait 30%, na o ya entamé ton loba ah muto te rouper c'est encore 5 ans et ça y est. Mais na le bien les premiers sont mauvais et mais on faut pas juger, c'est pas parce que quelqu'un est généreux ouvert qu'on va tout juger, mais faisons attention à la communication parce que ceux qui critiquent pour critiquer ont plus des éléments et ça peut fragiliser même l'action d'un politique ceux qui communication les amabé. Matondi Mingi Ndeko, Eric Ndeko, Patricien, est-ce que vous avez espéré un changement à terme qui est un sénateur, un sénateur, un tout comme un gouverneur? Oui, madame, c'est Boyebi, Boyebi, tout ça, un deuxième mandat à l'Union Sacrée. Tout aussi de perdre déjà 100 jours, je crois que c'était hier. 100 jours où il y a eu à la longueur pour nos négociations et consorts. Maintenant, le président de la République, je crois, doit taper le point sur la table. Il y a bon, ok, c'est fini. Nous avons beaucoup, il est temps de vous laisser faire, de vous concilier en bille, vos négociations, parce que nous devons les dire. Oui. L'égocentrisme et l'équinacatia Union Sacrée, du Monique, composition paix à Union Sacrée, c'est pas facile à gérer. De oui. Personnes déjà, des anciens mobutistes, des anciens kabilistes et consorts, tu sais qui dit vient. Oui. Qui est l'issue d'une école de la démocratie et consort, Moutounion soye naba mauvaise habitude naye, Moussou soye ya kouiba, Moussou soye na corruption, Moussou soye kaka, il faut yé kaka ndazala. Tu sais, être maintenant au-dessus de ces mêlées, c'est un travail compliqué, mais je crois que le président de la République a eu le temps de y observer Batounding Bazali, parce que quand déjà des bateaux ont beaucoup épaissi presque tout, Mbosso, Bati, Kamere. Aux hommes on a un niveau normalement basé quand même les sous capables à couvrir la bas poste. Aux hommes on a un niveau normalement bas capable à couvrir. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Nous de cette nouvelle génération toujours cinq ans président de la République c'est qu'a tapé point sur la table. Je crois qu'ils auront un bas congrès un bas gouverneur réconsort. Il faut bien que bango à la raison. Quoi bien bango que Bozali bas représentant n'anga na besiga bouti Bozala élu na Bozala très regardant envers tout ce que vous allez à faire. Mais moi je vous dis que les Congos, c'est seulement la conscience, la prise de conscience commune. Dans moins de 5 ans, le Congo peut être développé parce que nous avons tout ce qui est possible pour faire développer Mbokao. Et ça, la prise de conscience. Mais tant que, par exemple, un gouverneur de la ville sortant, Gentiline Ngobila, a eu beaucoup de temps que Mbongo, Mbongo, c'est Bima qui est un million.
ponzele banda yena mutu kuta ebinete kenzela ngwese bandi. Ce qui déjà tous en a ba qualité ba dirigeant bon madame, nous devons rien espérer. Mais moi je pense que ba énergie à Sika oyo et côté na ba certaines provinces, il y a des jeunes intelligents que je reconnais au bas juge certaines provinces, bas à la embourbée na système politique. Parce que le vrai problème, le vieux là ont créé comme le carca autour des valeurs. Ça veut dire ce qui est na ba biloko moko ba valeur et comme kuluka ba posa la tout. Va déstabiliser yo aux à l'empêcher ya ko prôner ou ko avancer vers des valeurs ba comme monsieur le mon petit sur sa carte morning gagne na za sugina ni koto et consort. Mais maintenant par exemple la ville à Kinshasa avec Daniel Bumba et Didier, je ne sais pas na l'indimité qui ba kota na biloko wana, moi je leur demande simplement na ba province union so ba o baza gouverneur ya ko détecter de valeurs. Les Congolais sont des génies, je vous dis. Un Congolais, tu as une bonne condition, il te prouve qu'il est talentueux. Ce que tu as le plus grand hôpital au monde, tu verras, ce sont des médecins congolais. L'Afrique décide aujourd'hui, ce sont des Congolais, des batangis, des Sud-Africains médecine. Au commun, le plus grand hôpital, on se recueille, parce que lui, c'est Chilombo, au côté Chibala et consorts, de nom des Congolais. Pourquoi on leur met dans des bonnes conditions, ces jeunes-là et consorts? Il faut pas utiliser, pas gérer ma ville comme ma pays parce que ma ville est à l'eau ma pays exactement. Et mettre ici là plus de, par exemple, Kinshasa, c'est 9 905 km². Ça veut dire que osa presque na ma pays, nous sommes au Bimba, de Kinshasa. Si Daniel Bumba et Dieli projet déjà un projet très ambitieux, n'a pas axe mon bien défini et de l'argent, mais la seule chose qu'il faut passer à la sucre, détecter des personnes qu'il faut. Pour bâtir en applicabilité ou en musique, bah, prochainement. Parce que le vrai problème avec la gouvernance, c'est quoi? Tu peux avoir un bon projet, mais si tu fais l'erreur de casting, dans tout ce que vous pouvez faire dans la vie, ce qu'on s'allie, erreur, il y a casting, entreprise ne koufi, makambo, l'ingo, ça, les koufi, parce que seulement, les gens, yo, qu'on s'allie partout. Il faut moutoumoura qui n'est qu'on s'allie suivi, il faut moutoumoura qui atteint la plan, yo, qu'on t'angagnon sauté. C'est pourquoi, il faut avoir, bah, gouverneur, bah, tout, bah, ça, élu, bazwa tant y a fait ici Sili normalement oui binga moko kutu j'ai du mal y a ko fêté batbalo banan fêté parce que je vois que la responsabilité est immense. Ce que les kina Kinshasa otali libulu ou les kikoto fulu otali bolak, on vous dit sur le plan statistique que Kinshasa n'est habité qu'à 30 km². Tu t'es dit waouh. Donc bato nyon so bato ndi koto ils ont encore 30 km sur 9 965. Pour vous dire que quelle que soit la chose que vous voulez faire, mais posez-la d'une manière durable. Il faut réfléchir durablement. Mmh. Ça prendra le temps pour que ça donne des impacts. Mais des hommes d'État ne font pas seulement des choses pour eux. Font des choses pour, même quand ils ne sont pas là-bas, bah non, non. Ce type était courageux. Il a commencé quelque chose, t'as les cigarettes. Parce que Madame Maria, quel que soit ce que nous allons faire pour la ville de Kinshasa, si nous ne pensons pas à Kinshasa D, c'est voué à l'échec. Parce que si vous prenez par exemple la ville de Kinshasa, c'est 30 km² seulement habité et surpeuplé. Production sur le plan de déchets, c'est 0,7 kg par habitat par jour. Ce côté, on a journé 17 millions d'habitants à peu près. Nous avons au moins entre 10 000 et 15 000 tonnes de déchets produits par jour. Mais nous, on a produit à 30 km. Nous, on a produit à plus de caniveau Zamabe. Et quand on a dit qu'on a libou na caniveau, Maï Roussani, il y a des gens qui sont dans le boulevard. Le boulevard Roussani, ennemi à Maï Makadam. Il y a des liboulou, il y a des érosion, il y a des foule et consort. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est temps, je l'ai même dit au gouverneur et son vice plusieurs fois, que de penser le Grand Congo. Ceux qui pensent le Grand Congo, ils ont à Kinshasa, il faut y oser. Oser à Kokende, na Maloukou, il y a des gens Maloukou, il n'y a pas Mayango Moko. Ils ont 79,6% de la ville à Kinshasa, mais inhabité. Donc, territoire où nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Maloukou, Yemoko comme commune, nous avons déjà 79% de Kinshasa. Ce que nous sommes à Maloukou, c'est le Mongafula, la commune de Kimbanseke, il y a déjà 97% de Kinshasa. Mais regardez. Mais il y a beaucoup de mais c'est le même problème qui continue. Il n'y a pas de caniveau. Tu sais, maman, au moins, il y a un peu de esprit de bon sens et de rationalité. Avant, il y a un peu de ville, ce sont des études urbanistiques qui se font.
Hein? Boutine dit, bah, ingénieur, nous en avons. Sur le génie militaire, tu vas voir des ingénieurs sérieux, qualifiés. Oh, l'État, foutaka mbongo, batanga. Tokotonga, au moment où tu as la kende kuna, dans un pays normal, kende na Lagos, ville ou en avant, babanda kotonga. Moutou yo moko toko ko zwa 10 hectares ya esika okangi n'onga pour rien. Mais va là-bas kote ma malouko sele. Moutou moko a sombi 70 hectares ya ye. Concession. Concession, eza impossible dans la ville. Ta, na bato moutou bato bazo pense loko a mounene ko zalate. Yo moko, babé en distribution équitable des richesses. Yo moko ko zalate okanga batou 70 hectares. Alors que dans 70 hectares, ça peut permettre à ko salani. L'État ne peut peut-être pas avoir tous les moyens, mais l'État, quand il n'a pas de moyens, il fait quoi? Il fait appel à des privés. Batoubazo banga wao, tozo nyongote, kende na Lagos. C'est parmi les villes les plus endettées, mais talané bazali. Parce qu'ils seront, ils savent qu'en empruntant, pour contribuer, il y a que produire richesse et que ça la kezonga. Ce qui te met qui, Kolobake, tozo antsele, on a ma, ce qui est kaka na malouku, kende na nomona ki tozo na place vraiment oyo. L'État Rokosani a tchèka ba moyen d'urbanisation. L'État ne construit pas tout. L'État est karatongé libino caniveau, a kati ba veni, a tchè a wa tokoti hôpital, mongo ya mounene pour ke batouba ou tate ba kin. Yo kende madame Maria, na 7 heures, na échangeur alimenté, ta la mouvement ya batou. Au moins la batouba ou ta nyon sokuna na tango bazo kende bon. Embouteillage. Zonga kuna na 18 heures, tu verras que les gens quittent ici pour aller ici. Calcule d'abord, tout ça la statistique simple. Awa déjà, tous en a plus d'habitants au bazar concentré. Mais les moins qui sont là-bas, n'attendent pas les sous-sous se concentrer. Ça veut dire quoi? La production du déchet, là-bas, ne se fera pas beaucoup plus. Parce que, bah, on n'a pas produit de déchets, n'a pas de mingi kotoyo. Celles déchets, qu'on a des déchets ménagers, des déchets à Babylon, mais awa, la production des déchets vont faire quoi? Encore augmenter. Il produira encore beaucoup de problèmes. N'a pas un beau cas sérieux. On réfléchit pour nous sinistrer place en souche. Mais qu'il a partout, n'importe qui. Ici, on dit on vend pour des riches. Riches, ils sont capables. À Sombi, à Tia, mesures nécessaires pour la sécurité. La sécurité est loco ya au sal. Mais malheureusement, ceux qui te bandit à Kokanisa, la consalabre, là, c'est fini. Nous devons mettre les cerveaux au service de notre ville et de notre pays. Matondi Ndeko, Patricien, alors, particulièrement à Kinshasa, Lelo. Qui je sais oui gouverneur Yaza Mutuya UDPS. Alors UDPS, tu as vu que a lutté pendant bah année et belé pour la peuple d'abord, pour la population. Est-ce que Ndeko Eric, le fait que Ndeko Bumba a outi UDPS a joué beaucoup, a joué quitté beaucoup de Kinshasa, a joué gestion à Kinshasa, est-ce qu'on peut espérer une rupture avec bah gestion Yabato ou Bazaki avant hier? C'est dommage ce que je veux aborder la question dans ce sens-là en ramenant tout le temps à la partie politique. Oui, parce que parti politique. Non, c'est là, non, tu as la liberté de le faire. On a la liberté au salon. Parce que ma réponse dépendra. Sur le lobby IDPS, on répondra IDPS à la présidence de la République. Pour quel résultat? Ça répond. La présidence, c'est le sommet. La présidence, c'est la tête, c'est le moteur, c'est le cœur, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'il y a un bandeau ou un bandeau? 30 ans, 40 ans d'opposition, est-ce que vous avez fait mieux que celui qui vous critiquait ou bandeau ou dictateur? Tout bandeau ou bandeau ou moko? Non. Donc, il ne faut pas descendre le baquet. Donc, de facto, on a le baquet que Daniel Bumba est pareil. Mais si tu me parles du DPS, je te répondrai. C'est en logique d'un système. Un système qui dépend des partis, des recommandations, qui dépend de... Ils pensent déjà qu'on est au sol pour garder le pouvoir, il va tricher, ça la bouille. Mais si tu me parles des individus, ma question sera de manière rationnelle, sera de manière responsable, et chacun sera responsable de ses actes. Donc le banon, là, en tant qu'individu, c'est que je peux projeter. Mais il est vrai, ce que l'on dit en que Daniel Bumba ne se comporte pas avant tout comme étant Mutuya UDPS, mais comme le premier citoyen de la ville province de Kinshasa, ben, je vais lui souhaiter le meilleur. Très bien. Et les portes lui seront ouvertes. Parce que ce qui est logique à partir, et comment dire logique à famille Mokoboué, au Kena poste de Mouta famille Boué, et au salon VIP Mouta famille Boué, Mouta le Babo Kote Boko Tate, accès à bas droit Mouta famille Mouboué, le roi Botier Mouta famille Mouboué, place Mouboué, Kote Rayé, pas qu'on détourne. Vous comprenez? Mais ceux qui Botier, le premier citoyen de la ville province de Kinshasa,
il se sentira redevable à l'égard de tous les Kinois, qu'importe votre aspiration politique. Et je rappelle une chose que tu as tendance à oublier. La majorité des Kinois, la majorité des Congolais ne font pas partie des partis politiques. Oui. Ils ne sont pas membres des partis politiques. Ils votent en leur âme et conscience quand le moment se présente. Dans ceux qui ont ligné Kokanisa Kenon, Nakomi, c'est vrai, votre parti, votre travail, oui. Mais quand tu as la fonction, il y a État, au commis agent, il y a l'État, au commis les premiers citoyens de la ville province de Kinshasa, au commis les premiers des Kinois, les premiers des serviteurs des Kinois, pas des UDPS. C'est ça le sens de responsabilité. Dans cette logique-là, je te dirais que non, il faut soutenir, il faut aider, il faut. Et au regard de ce qu'il a, de sa volonté à s'entourer des meilleurs. Et je ne crois pas que les meilleurs des meilleurs soient forcément dans l'UDPS. Très bien. Parce que tu as un peu de temps, 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 tu as faire avancer la République. Et ça, je crois que c'est une forme de dictature de la pensée. Il y a des responsabilités. D'ailleurs, tant mieux. Dès qu'on a face à Zana MLC, ils ont la vice-gouverneur. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il faut sortir des égaux des partis pour aller vers des égaux de la République. Et le sens de responsabilité, Ngo Lebaké, Daniel Bumba Faye Baké, il est redevable à l'égard des députés provinciaux de la ville province de Kinshasa, élus par les Kinois. Pas élus par l'IDPS, élus par les Kinois. Et que les défis qui attendent sa réussite, les alliés relatives, il y a besoin, il y a Kinshasa, mais également ces besoins sont répercutés dans le monde, et pas bateau avant même dans Kinshasa. Image à Daniel Bumba, il y a un tambula. Et que tambula, même que les Kabak ont dit, il faut, vous avez la politique. Et quelque chose d'assez spécial. Au regard de ce que Bandeko va courir au sein de la vie province de Kinshasa, dans 5 ans, il peut même être candidat président de la République et gagner la présidence de la République. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on cache. Ah, allez, Moutoupamba, allez, oui. La politique, c'est quelque chose de magique. Parce qu'à travailler dans la ville-province de Kinshasa, il s'impose dans les partis, a commis peu d'offres à Félix-Antoine Tshisekedi pour Nakolobake. Voilà l'homme qu'il faut, avec un changement de comportement, avec une collaboration franche, avec la volonté de faire travailler tous les Congolais, avec un moto, ça, la convergence des idées. Même les oppositions, l'opposition peut lui prêter main forte. Dire voilà, nous préférons des hommes neufs, frais, au Bakoki, au Sala, qui est Congo, qui est Nelboso, plutôt que des antagonistes, des critiques, de ceux qui pensent que non, nga sozo beta munoro te ou kota na biro te, nga sozo zali kango intel te ou kota biro te, non, ça suffit. Ça suffit. Ça veut dire qu'à un moment, il faudrait laisser tomber tout ce qui est poids politique, tout ce qui est tout, et puis on met juste le Congo en avant. Ben, oui, parce qu'aucun parti politique ne peut obtenir la majorité des voix des Congolais. Aucun parti politique peut se prétendre les logo le baquet. À moi tout seul, je peux mener la politique démocratique du Congo conformément à la loi. Donc, il faut mettre les égaux. Il y a un temps pour la politique, c'est-à-dire politique politicienne, mais il y a un temps pour l'action politique. Et l'action politique défend d'une autre doctrine, d'une autre logique, d'une autre science. Et c'est cela qui va définir si vous êtes un véritable politicien ou un aventurier. Comme il y en a. Beaucoup arrivent, ce ne sont pas les politiciens. Ils n'ont même pas la science. On peut devenir politicien, même si on ne l'a pas étudié, mais par la pratique. Oui. Mais à condition que cette pratique-là ne soit pas juste au lieu d'un tel, je suis politicien. Non, ça, c'est des aventures. La pratique, c'est du concret. Aux salés dans le terrain, aux zones là qui s'acquiennent, aux alliés à solo, aux autres tirer conséquences et à leçon, aux banning, aux l'université, aux commissions, aux exemples communs, même une forme de jurisprudence en termes de sciences politiques. Matondi, Ndeko Eric. Alors, Ndeko Patricien, Ndeko Bumba, à la tête, il y a la ville à Kinshasa. Quelles sont les erreurs à quoi éviter dans les minutes pour que arrêt tombe T n'a pas même erreur que Bato Basala qui a vanné? Largesse. Vous savez, un leader politique, mon ami, politicien, parce que les politiciens, moi, je les appelle les va-t-en-guerre, vous comprenez. Donc, lui, il est là quand il y a seulement ses intérêts. Et puis, le reste, ça n'est égal. Donc, moi, je parle des hommes d'État. Un homme d'État, Madame Maria, différemment un politicien, quand il veut d'une chose, il met son cœur. C'est comme si c'était sa maison.
Il sait qu'il a ses enfants doivent aller à l'école et construire. Il fait tout avec calcul d'avenir. Mmh. Il ne fait pas tout avec les intérêts immédiats, non. Vous savez, Gentil Ngobila pouvait avoir de très bons projets. Moi, je lis par exemple Kinshasa Bopeto, King Bopeto, je l'ai lu. Mais la praticabilité, la largesse. Lui, c'est comme si, bon, COP de GC Simbim, bon, aussi Bimi, bon, le reste, ça ne me regarde pas. Il part, il réfléchit, donc la sensation avait beaucoup plus pris les donc, tu vois, les sonores. Il y a problème là, il y a le fait d'artifice, Matmamoni qui est président, il y a qui, il y a Zupao, non. La réflexion d'après a posé problème. La faisabilité a posé problème. Pourquoi il a posé problème? Parce que les calculs d'amont n'ont pas été bien faits. Ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit les corbeilles, ou ceux qui banin la poubelle. Sur le plan, parce que quand on gère une personne, il faut voir la sociologie, la démographie, le comportement de cette cité-là. Il y a une ville à Kinshasa où il y a foule, où il y a vitre. Et puis tu fais sortir des millions. Il réfléchit. Parce que foule à vitre, nous n'avons pas encore un niveau élevé. Il y a Makambou, le Nigeria, il y a Kigali, non. Il y a un état de commission, il y a un spectacle. Au moins, il n'y a même pas des montants, on va dire qu'il est panzani, et comme il s'est dit, il faut lui bander. Deux. Maintenant, vous savez que dans ces pays, en 1960, Kinshasa ne comportait que 400 000 âmes. La République démocratique du Congo, les Belges ont travaillé par le système de cantonnage. Hein? Bah, cantonnier, bah, route, il y a des certes agricoles, les acquis toujours impeccables, bah, pour évacuer, bah, coton, bah, biloko. Comment ils ont fait? C'est la cognostie. Réfléchissez, nous avons des chefs de rue, nous avons des chefs de quartier, nous avons des bourgmestres. Bourgmestre, pour toi, comme une épongi. Pourquoi? Les gouverneurs arrivent à 15h au travail, à Bayenéjaba, Wiskinae, à la Mouki. Donc, lui, il est élégant, alors que c'est un travail difficile. C'est comme un médecin, tu sais que moi, je sors de ma garde. Avant de partir, je dois m'assurer que garde n'engage l'équipe bien, mes patients, tout est fait. Est-ce qu'il n'a pas si déjà infirmier? J'écris déjà ma instruction et consort. Mais même si je partais, mon téléphone doit rester ouvert parce qu'à tout moment, je peux revenir. C'est ce sens de responsabilité comme ça que nous voulons à la tête des institutions. Le gouverneur, tu sais qu'il faut qu'on ait un bureau n'anga au plus tard, 8h. Oui, t'es oui, qui est bah, dossier. Maman, quand il faut 72 heures pour nous signer. Quand il faut signer, parce que normalement, dans l'antichambre, dans le cabinet, normalement, le conseiller a déjà lu. Il a mis déjà des indications. Il a signé. Toi, lis seulement. Fait que nous avons fait un dossier bah, en février. Pour nous, comment peut-être qu'il y a une salité. L'entrepreneur, il y a gouverneur. Pour ne pas être un projet salitaire pour le pays, mais le gouverneur Zola Aninopongi, c'est que au Kounaz en antichambre a commis Koutia Bakarka Kemuta Kotate pour rien. Alors que cette personne-là peut-être amène une idée nouvelle à un projet Batumsou Baya Kalobino. Docteur, j'ai amené mon projet, Nafandi na Kinshasa, Luka Kokutana gouverneur. Alors que le gouverneur, ce n'est pas un dieu, c'est un serviteur. Un serviteur, tu dois être capable de recevoir tout le monde. Ça, là, nous au recevoir mon toutou, ou y est baba déshydraté à mon tout, parce que le salut de ton peuple, au Yosa, le quoi, le Bumba, le lot, c'est 9 965 km², plus de 17 millions d'habitants de Bazali, dans mon Congo. Lui, il doit tout faire pour nous trouver des solutions. Nous savons que les défis sont énormes. Largesse, on a un Gentil Ngobila. Gentil Ngobila était large. Lui, il s'intéressait à quoi implanter à Sepinaï qui est Rosa Makambouya ville. Lui, il s'intéressait à Rokéné, à concert qui est ville et Salamakambou. Lui, il s'intéressait, regardez l'énergie que Jekoko, quand Jekoko est arrivé, l'énergie que Jekoko a pris quand il a eu tant que va suspendre Gentini. Donc, Jekoko nous a montré que Zayaki Mité Mamabe, qu'à 48 heures, on pouvait avoir ces rampes de Willery comme ça. Qu'à 48 heures, ici, que Zayaki fou, voilà, avant comme Ninia et Stati et Anani, et Kouki Kozalabongo Lelo. Ça veut dire que ces pays, c'est seulement la volonté qui manque. Gentilly avait de la volonté. Volonté na, au cause de la volonté, mais entre volonté, na, ça, réellement.
Non, madame, quand on a une volonté, quand on veut, on peut. Bah, français de Baloba. Ça veut dire ce qui est lingo kokoma. Hein? Yotango kendeki classe, je sais qu'il y avait des gens na coin babi ce que ah kuna ifasi ke za difficile, talaboye. Moi-même on m'a dit que kokoma koko aussi ça m'étinte. Mais je suis allé, j'ai fait mes 12 ans et na zano ka kokoté. Ça veut dire bah toi la peta na comme traiter bango lelo, bato babaki ko makoko et consort. Pourquoi? Parce que j'avais une détermination, j'avais de la volonté. Soki ba gouverneur, ba tika ka détermination, na volonté. Heureusement, nous avons le vice-gouverneur qui est un homme vraiment de terrain et d'Yeli. Nous avons Bumba qui a lui-même tant qu'on appelle sa projet, alors là, c'est une volonté à cause ça. Mais maintenant, c'est qu'il y a toujours Sengayangwana, Ezali, et puis un dirigeant, un homme d'État contrôle ses actions. Tu ne peux pas donner aux gens au tiki ba mouka ba ki ou ébite. Non, un homme d'État contrôle. Tu dois contrôler la fédération. Mais oui, Ozasko chef ya ville, n'est-ce pas? Occupé de cette entité, Ozaline a droit de regard. L'argent, il y avait autant de millions sur le plan budgétaire, papa. Moi, j'aime. Oui, mais les Anglais font ce qu'on appelle les job descriptions. Bah, ça, les lieux qui va vivre, madame Maria, tu tiques les rédactions, tu as posé ça dans 6 mois, au comme on a tel audimat. C'est à toi maintenant de mettre des mécanismes pour que atteindre et l'eau qu'on a pour que l'eau va renouveler confiance. Mais si tu ne le fais, ville à Kinshasa, c'est simple. Nous avons autant. Ok, c'est quoi notre priorité? Priorité Zali, tous en ont le lieu de Maboulou, tous en ont Bafoulou, tous en ont. Ok, les histoires d'urgence, les travaux d'urgence, c'est quoi? Koumeka d'abord, on a nous, tous au côté le 15 mai ici déjà, Tokine Langa, ça sera une bonne chose pour eux parce que Baouta, Babanda, première, Babanda, 100 jours à Bango, qu'est-ce qu'on fait? To, et Zal, quoi, Tokouti, ville à Kinshasa, na Kouma, on a Bassin Vito, na Rabé, qu'est-ce qu'on fait? Un bon médecin commence d'abord à soulager. S'il y a des douleurs, je soulage. Ce qui n'a moni qui est température et l'ingé mata n'a pessi. Ce qui n'a moni qui est azo désaturé, nature oxygène. C'est ce qu'on veut de Kinshasa maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut donner le souffle à Kinshasa. Kinshasa m'a boulou le qui? Qu'est-ce que je fais? N'a fini qui n'a pas ma boulou. N'a pas moyen de boro na kukuta. Kinshasa fou le qui? Qu'est-ce que je fais? N'a longoli n'a pas fou l'anzela. Kinshasa ba caniveau eza bouché. N'a curé n'a pas caniveau. Kinshasa des services, Eza inoccupé, bah tout bien. Aujourd'hui, maman, Moutoubi, non, n'a pas renoté les villes, mais à Kendeke 16 habités, n'a pas Kendeke en a signé. Quand nous voulons inculquer aux gens de valeur de l'État, de la chose publique, il faut tout dire que l'argent que vous prenez, c'est l'argent des souffrances. Zouaka Kinoa, Tchaye pas Libanais, Libanais, Tchaye a travaillé, ça va, le Koba Angoulou. C'est à 6h, à 6 à 22h. Mais Zouaye Pé, ça y travaille, ils ont aisé. Où il y a des villes, ils ont foutu, à jour il y a 15 ans. C'est paradoxe, nous devons le changer. Pour le changer, il faut que de la rigueur, gentilien Zanga qui rigueur, il faut du contrôle, gentilien Zanga qui contrôle, il faut qu'on pense de l'avenir, gentilien Zanga qui a venu. L'erreur, pour répondre clairement à votre question, c'est l'erreur que Gentini a eu à faire. Je ne dis pas que ici Gentini n'a rien fait. Gentini pouvait bien faire. Mais Azara le quoi mon la classe au accueilli malgré Azui na Edicit malgré Azui na civisme mais à Katani na bakou ils ont prépondé na pondération monnaie maths physique et qu'on soit à Katani des monnaies qui tout pécier na Fazali non admis à la filière. Matondi Ndeko, Patricia Ndeko, Eric Toto Sili Sapona, première thématique, quelles sont les erreurs que les deux animateurs il y a ville à Kinshasa pour éviter pour pas retomber té na o baninga basala qui avant. D'abord avoir une volonté de travail pour les Congolais et les Kinois et n'est pas pour répondre de manière automatique à l'ambition que politique. Ici on est dans l'administration, dans la gestion. Il faudrait éviter bah pourcentage montagne un projet alors pourcentage. Pour le moment, ça, le pourcentage. Ici, il est question, il y a bilan. Bilan, si tu as un pourcentage, tu n'as rien à amener de nouveau. Et dans ce cas, c'est toi qui seras perdant. Comme bon nom, tu es là, na potu potu. Il faut éviter, en tant soit peu, il faut de la rigueur. Parce que tant on lobby de Gualobi, c'est vrai, Chinois, Libanais, vous faites travailler. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'un travail, c'est difficile. Oui. Ce qui est mauvais, c'est que le salaire ne suit pas.
il faut prendre en considération que bateau basé au Sala pour la ville province de Kinshasa, baba congolais, basa va père de famille. Ils ont aussi droit au respect, na ba salaire na bango, na ba considération na bango. Les congolais, ce n'est pas la vache à lait. Kinois n'est pas la vache à lait. Les taximens, les chauffeurs ne sont pas là, les motos, pour vous payer. Sans qu'en retour, nous ayons de la lumière, des routes, non. Il faudrait équivalence, il faudrait qu'on revienne dans le bon sens. Il y a un domaine particulièrement qui m'intéresserait, c'est l'assainissement pour favoriser l'entrepreneuriat, c'est l'assainissement fiscal. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent que Moto Alinga entreprendre, qu'on crée une entreprise de manière tout à fait légale, d'un coup, à foutre la taxe dans l'État, gouvernement central, à pousser la taxe, après ça foutre la taxe, il y a gouvernement de la ville, province de Kinshasa, à foutre la taxe, il y a commune. C'est peut-être le moment de mettre un peu de la cohérence, de savoir ce que nous voulons. Soit nous favorisons l'économie, pas parallèle, pas au noir, mais légal. Tant que il y a des bois accordés, non, on a accordé des exonérations 3 mois, 3 ans, non. Il faudrait déjà retirer certaines exonérations de la commune ou bien les remettre en harmonie entre la commune et l'état des villes. Qu'il y ait des rétrocessions, comment, mais Bwandi Maké, Mbongo Kota, moi, Mouké, Naba Poche, Nabino, Maké Kota, Naba Poche et Bakinois. Parce que Kinois roulait sa Kinois, à créer emploi, à favoriser l'émergence d'un pays dynamique et travailleur. Donc c'est peut-être une autre français. Nga nozo lingake dynamisme moya sikia. Parce que nos ana critiques, mais j'aime le Congo encore plus que les individus. Moi je ne travaille pas pour une autorité morale. Mon autorité morale c'est la génération future. Ce sont mes enfants, ceux qui viendront après. Mon autorité morale c'est l'État. Et l'État est quelque chose de permanent. Vous allez passer maintenant à 1960. Ba yembela ba mutu ba yembela. L'État est toujours là, Congo la nation existe toujours. En cela, je préfère qu'on accorde crédit, confiance, n'abaider d'abord un projet d'abord. Décolobi, maintenant il faut s'entourer de ceux qui sont capables de vous accompagner pour qu'on réussisse. Et il faut voir large. Il ne faut pas avoir peur de pénétrer certains chantiers. Il y a quelque chose qui aussi, je trouve, qui est d'ordre capital pour Nabisso, pour le salut de la République. Rassurez-vous, par exemple, sur Omoni. Lobby n'allait à niveau il y a Stade des Martyrs, à niveau il y a Kassahoub, il y a un grand panneau publicitaire. Ça fait diffuser ma photo, il y a ma produit de femmes, Clear Kids, UB machin pour Nasuki, UB machin pour Nasuki. Et bizarrement, ce sont des panneaux de passage, hein. Il y a ma publicité Zoleka. C'est une entreprise privée, c'est pas un problème. Dans ces trois images, il n'y a rien qui représente l'image des Congolais, ni des Congolaises. Les autres qui bilou ya bana ba souki bilou on son mais mindele mbazana ba profil wa. Cela m'a interpellé. Je dis pour qui ma publicité à Nezo Salim. C'est que je vous entends une chose. Nous avons aussi une responsabilité nous biso ba homme politique, il y a qu'à faire émerger l'entrepreneuriat congolaise noire qui ferait des produits destinés aux noirs et aux Congolais. C'est très important. Moi, je ne veux pas que ma fille, mon fils, à mon apôtre, moi, à moi, il y a un diamant, non, je veux ressembler à elle. Non. Dans cette même ordre d'idées, ce sont des compagnies indiennes, pakistanaises, ainsi de suite, qui deviennent des milliardaires en République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat, c'est bien. Il ne faut pas tout envier, bon, parce que beaucoup viennent avec l'argent du terrorisme pour investir, pour blanchir. Et là, j'arrive dans cet ordre d'idées en disant que, est-ce que je peux espérer qu'il y ait un bras de fer réel entre ces Indo-Pakistanais qui ne payent pas des taxes, qui se sentent qu'ils sont chez eux. Plus que même les Congolais, plus que même les Kinois. Ils ne peuvent ne pas payer des taxes. Ils exploitent les Congolais. Ils ne payent pas leurs droits et leurs obligations. Et ils veulent même défigurer l'image de la femme et de l'enfant congolais et Kinois. Je crois que ce devoir-là, des rieurs, peut être mis en concertation entre les ministères, le gouvernement de la ville province de Kinshasa. Parce qu'il est si question, bien sûr, ils corrompt, hein, il y a une forte corruption. Parce que si Karatolani a dossier à la taxation que ces Indo-Pakistanais doivent à la ville province de Kinshasa, ce sont des écoles qui peuvent émerger, des routes qui peuvent être construites. Mais Baloba, qui est en Bokanabango,
bah, ils tiennent l'économie, ils ne se sentent pas obligés à refouter la taxe. Mais ceux qui kinoa font les cas, les Gablo Mouroubaché, ETS, machin, numéro RCCM, Oyo Ganaton, oh Mouta commune, oh Mouta ville, oh, et c'est une asphyxie, il y a économie, il y a bateau, bazana pour ça, il y a être indépendant, il y a qu'au survivre, qu'au émerger. C'est un chantier, c'est lourd des conséquences, mais c'est chez nous. Et je crois que la patrie, les patriotes, a besoin des combats qui relèvent l'image pour les futures générations. Très bien, Neko Eric. Alors, toujours la deuxième thématique, Nabiso, cumul des fonctions RDC, comment y remédier? En tout cas, Neko Patricien, Likambo Italie cumule des fonctions, les autres, il y a plus d'une personne ici à Kinshasa, en particulier en RDC en général. Alors, qu'est-ce qui explique que les lots, les politiciens, les autres, amagasiner ma fonction boy. Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle le besoin de succession. Ça, c'est de un. L'égoïsme à l'intérieur, c'est de deux. Et puis, vous savez, je suis souvent estomaqué. Il y a comme on a que nous, on a pas de repères. Vous savez, Madame Maria, une jeunesse sans repères, c'est un pays qui est en danger. Parce que je peux vous donner des exemples. Moi, je n'ai pas peur de citer les noms des gens. Vous allez vous trouver, par exemple, je prends Bati Lukwebo, le professeur. Il a un parti politique où ils ont la structure. Il y a la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes et il y a les autres. Mais vous allez voir, dans tout ce qui est nomination, ce sont des Bati. Dans tout ce qui est des postes où il y a qu'on postule, ce sont des bâtis. Bassipléen Naïe, ce sont des bâtis. Ok, côté Jean-Lucien Boussa, la même chose. Ok, côté Yabakote, Bafifi Masukakuna, la même chose. Ok, boy, la même chose. En réalité, si tu réfléchis en fond, ça veut dire que Tokubazo, Lukaba, créé 500 familles de gérer République. Donc, bah, les 500 familles prennent la République en étau. Pourquoi? Parce que ceux qui ont moko déjà sont bimi député national ou tchaki siplé na yo mwana na votre famille, n'est-ce pas? Oui. OK, au postulé sénateur ou tchaki mwana na msusukuna famille na yo kaka yo longoyana OK, li susu comme député provincial mwana na li susukuna famille na yo. Donc na famille OK, li su comme candidat gouverneur ou gagné sous gouverneur. Donc ozomona na clan moko na famille moko di batu déjà babimi kaka ya batu moko kombo moko système idéologique moko et consort. Quel est le repère pour les autres? Oui, bi tozaki na tango ya ba amendement ba loi électorale là wa ezaki na groupe moko G13 ba lisa ba mamba ba ozaki ba vieux ya envol et les autres Père à c'est Sanga et les autres, bah, non. Pour Nabiso Tomoniki, système héréditaire du pouvoir, c'est comme de l'hérédité maintenant. Ça veut dire, moi, j'ai Nanaboti, comme une assemblée nationale, n'a tiki hérédité Nangaï, ou Ananaki Kosala, tout kata yango, tout ça, là, qui est Moutou, ceux qui a postulé, a postulé dans poste Moko, Sipléa, n'a eu Aza Moutou, y'a clan, n'a été, tout est famille, n'était, bah, télémélango, bango, tout baboya. Bango tout baboya. Pourquoi? Parce qu'ils savaient regarder ce qu'on appelle l'inconscience de la classe politique. Bato baboy, ce qu'on a dit. Parce que conséquence, surtout dans l'élection, c'est que ils inhérente na travail au député, au Longwa, au Sali. Mais ce qu'on a dit, madame Marie, tu verras qu'ils ont 20% de bazongi, non? Mais ces 70% là croyaient qu'en laissant cela, ça serait à leur faveur. Mais bah on va qui est bâti qui 20% kanakati. Mais ainsi de suite. C'est pourquoi je vous parlais ici de la moralité de la classe politique. Moi, je suis très heureux d'appartenir à un mouvement de libération du Congo parce que Bissou est interdit déjà. Si tu postules dans notre parti, Cyprien Ayo, c'est le mouvement, c'est le parti qui vous donne. Très bien. Chez nous, par exemple, notre candidat sénateur a auto gagné la ville à Kinshasa. Son Cyprien, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemaza, président parti, mais secrétaire général adjoint, Nabiso qui était le candidat, a juste Cyprien Jean-Pierre Bemba, premier Cyprien.
Pourquoi ça veut montrer aux autres que tout le monde a sa chance. Mais tu as un clan, tu as un parti, tu as un bango, tu as un bango. Ça, c'est un danger. Si nous voulons léguer à des générations futures un Congo digne, nous devons être aussi capables de passer les tours. Oui, et le conséquence, c'est vraiment les années. On ne grandit pas dans l'esprit à consensus. Esprit à accepter que l'autre est plus meilleur que moi. Oui. Esprit à ma valeur. Au moment où il y a une opposition, incapable de se liguer autour d'un consensus, il faut que tu aies un prêtre, Moïse habite en Bongo Koleka, et qu'on soit, ils mettent au devant pas de valeur de rassemblement, mais des valeurs individuelles. Ngana na mbongo ko le connaître ngana na mbongo ngande funa zala ba tien mon coup de tête net ngana na CV ebelé ngande na zapo ngande na tangi ko le kayo na tel domaine na compétence non ngai na populaire ngana na boye konso impossible. Qu'est-ce qui a fait que token opposition na élection sans opposition alors que c'est un danger pour la République ba toa kanza onka lokoze singo non quand vous avez dans un pays bozana mboka moko idée contraire exacte, c'est un danger. Parce que bino tout bon a beaucoup comme on a rose mais moko na ligarami ko soit exemple la médecine médecine tout bien on travaille d'équipe beaucoup ko kota na bloc opératoire madame la personne qui sauve la vie d'une de namuto bo opéré et ça tant sous médecin aza na chanter tant sous infirmier azo bongisa banine et docteur tout bon qui on ezaki stérilisé té mais yo simba kango déjà quatre tu vois ça veut dire c'est pas vraiment toi qui a fait que Moutouan a Bikezam infirmier, pourquoi on appelle ça le travail d'équipe? Mais na Congo impossible. Tout qui est sous la union sacromonie, vie bâti, vie mbosso, veni, où l'État a tout donné. N'a pas été à l'université de Kinshasa, n'a pas été à mon côté bourse. Mais bâti a été à mon côté bourse, bâti a été à mon condition, bien caméra, la même chose. Papa mbosso, 7 fois ministre, 11 fois député, ou l'inverse. Mais ils ont été incapables. Il y a quoi le bac ingai? Tu as eu l'élection, tu as eu l'élection, tu as eu nombre de y a pas député, ils en ont encore autant qu'on sort. Mais ils ont nanti qu'il a fait haut. Mais le fait que ils ne lèguent pas de valeur de consensus, le fait que dans leur gène il y a que l'ego, le fait que dans leur gène il y a que le clientélisme, font quoi? Tu commettis, bah qui est pas chef de l'État, t'as là non ma cambasse. À ta sonité, bah qui est pas chef de l'État, chef de l'État ici bon. Vous êtes des grands hommes politiques, des hommes d'État, politiques, n'a pas de hommes d'État. Moko na bino ati ki la muninga. Baboy, si le chef de l'État ben yisou bango séparément, baboy. Si le chef de l'État, le message c'était quoi? Il veut même montrer au peuple que regardez la qualité des politiciens que vous me donnez. Alors bon, moi, si vous m'avez dit, vous soutenez, bino tout bois député, bokende en face, il y a ma député. Et puis, quand il moi quoi bimi bah c'est félicité il fallait qu'il coûte bah à base à la Sony y a qu'on bah mon tout non 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 c'est qu'est-ce que nous avons légué à ces enfants. Le président de la République nous a donné une valeur y a qu'on non vous pouvez être capable y a qu'on s'est surpassé y a qu'on choisir mon tout mon ce qui nous a mettre bissé le tout ça t'as nous sur la idéologie mon côté qu'on sort mais nous trouvons que c'est le Congo qui est le point convergent. Qu'est-ce qu'on fait? Ok mon frère, laissons ça comme le Congo qui est beaucoup plus utile que Babylone. Surtout que le Congo en avant. Mais il y en a passé. Pourquoi, madame? Nous interpellons les députés qui sont aujourd'hui dans la Chambre. Ce que nous subissons aujourd'hui, que ça puisse être des mauvaises élections et qu'on sort, c'est la conséquence de notre turpitude. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur demandons aujourd'hui, bah, moni déjà dangereux, Ezali. Hein? Basani, balongo la biso na danger. Basani, ba revoir. Ceux qui revoir. Oui, même constitution na biso madame Mare, plein d'ambiguïté. Une constitution de saleté. Mais les intellectuels congolais sont incapables de se regarder en face et dire que cette constitution est mauvaise. Bango tuni tellement qu'il y a l'ego dans leur gène. Chacun, oui, chacun les égaux là dans leur gène. Chacun dit ah ceux qui l'amico bouger au Kabila Zonga. Ce qui n'a mis qu'au salaire au Robima. Alors que le Congo qui est sacrifié parce que ce qu'on a une constitution, aucune loi pénale, n'a pas de makamba ba droit au téponani. Parce que c'est de la bouillabaisse. Au coco longwa awa, constitution. Et l'autre lobby a mis qu'on les a contraints. Ah! Droit pénal, en 1940, et peine de mort, ça. Constitution, ils ont dit qu'on a aboli peine de mort. Et tous ces gens-là, bah, vous demandez l'eau français. Tu vois, non, 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 il y a les doctrines, la cohérence n'y est pas. Mais bah, vous voyez, pour l'année,
dans leur gène, il y a des égos. Dans leur gène, net bazar, calcul auto monnaie les cas. 2028, c'est l'objectif. Oui. Objectif, c'est ça, surtout tout est haut. Dans l'économie, bonga, dollar et salaboyé. Leur objectif, c'est qu'Ami Bouma s'est positionné bien. Azambongo, l'issue à Koiba, à Tiena Mupanzi, l'objet à cause d'un candidat président, le même personne. Il y a un les jeunes ici qui sont dans ces partis politiques-là, pour quitter ma parti. Quand tu vois que déjà parti politique, il y a un peu de temps, Jean-Pierre. Azu secrétaire général à Tchemo Nanaï. Azu ministre, mon papa, c'est le ministère à Tchekakabana Bananaï. Je quitte le parti. Très bien. Mais le fait qu'il ne l'a jamais fait, bananaza, et puis c'est un. S'il y a des leaders, au moins, il y a des gens qui sont là. Azane na bunya koluka kozongi sakimia, azana kindukuna, il est dans des lisélikwe consort des hommes d'état comme ça batu balwaka pona azana MLC mais même batu ya mama ya mikata azolo ba ya azolo ba ne susute batu ba wela ya lo bakatete ba mama réponse ezali que lui la différence na batu musu baba politicien lui c'est un homme d'état. Matondi ndeko patricien ndeko Eric, est-ce que toi pour éviter cumul des fonctions RDC? Si quand on a profité mouke c'est vrai na bo kama ma ba fleur c'est vrai que Jean-Pierre Bemba se distingue des autres. Se distingue non seulement par son parcours, parce que ce n'était pas destiné à faire de la politique, c'était un homme d'affaires. Il n'était pas destiné à prendre des armes. Il a pris par la force des choses. Son combat était loué, était noble. Il a même eu à subir les conséquences de son obstination. Parfois, la politique, ça va mettre un peu de l'eau dans son vin. Mais c'est quelqu'un qui, à chaque fois, a su se mettre au-dessus. Et c'est le meilleur que je puisse lui souhaiter, parce que il peut encore avoir l'avenir. Il peut encore avoir l'avenir, mais à défendre l'indéfendable était. Je sais que la politique est compliquée, mais confiance oyo bisoto bandeko pesaye. Et toucha qui moi et kita qui moi mouké. Mais au regard des actions, de la volonté surtout, et de la sueur mise dans le travail, dans le sérieux de son travail, il se surpasse. Et pour la République, on y gagne. Ouais. On souhaiterait aussi que Mingi, au bazar, Zinga Zinga, Félix Antoine Tshisekedi, Bakoma, au Terwana. Mais bon, allons-y. Donc je le souhaite de continuer dans ce chemin, surtout quand il s'agit de la défense. Surtout quand il s'agit d'intégrité territoriale. Mm-hmm. Je sais que c'est un nationaliste. Naebi kaza mwana mboka ya bosolo azana souci ya mboka nae. Mais zinga zinga nae pou yana misusu bazolinga ba bomba mboko parce que il profite de ce kawa na pona kozala. Mingyo baza zinga zinga nae ce kawa là les faut exister. Sans ce kawa, ba existerait. C'est pas comme lui qui va se distinguer autrement. Parce que quelque part, il faut prouver ce chaos tout comme il faut là que ça cause à boinette. Néni commerce et ça dans Sénie. Lui, il saura se surpasser, pas beaucoup. Oui. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut féliciter Jean-Pierre Bemba. Cela dit, merci. Dans l'accumul de mandat, il y a quelque chose de quoi continuer à nous dire. Le bien, c'est que les gens vont m'en dire, c'est que les. Mais moi, je vais d'abord, dans ce moment, je vais s'étaler le droit. Tu vois, le droit est logique. Sincèrement, c'est une science qui va de soi. C'est pour ça, dès la première année, on nous apprend que les valeurs, il y a un texte, et ça la kaboye. Ou ils ont les colonnes, ou ils ont Oyo. Constitution. Ou ils ont sa constitution. Ils ont sa constitution. Tout. Bah, traité, accords internationaux, bah, si, bah, loi, bah, tout. Tout ce qui est en bas doit être conforme. Mais étant donné que, ah ouais, tout ça, la politique, elle est boum. Il y a déjà les listes. Quelqu'un qui a fait des années de droit. A épine à télé, on va trahir science. Qu'on s'invente. Ou bien, à comme ici, français compliqué. Là, il ne s'agit plus du juridisme. L'interprétation en français comme compliqué. Mais, décolle bien. Comment voulez-vous avoir un texte de loi de 1940 soit en contradiction avec la Constitution, pour le mieux appliquer le texte de loi de 1940? Ça n'a pas de sens. Dans le bino, la première des normes, tous les textes doivent être conformes, c'est la Constitution. Oui. À plus forte raison, notre Constitution est de 2006. Texte de 1940. Et dans la Constitution, il y a même un article qui est le bino. Mais il y a une contradiction
dans une constitution, sans amener à mourir de soi, sans tolo belango. Mais au moment où ces yeux existaient, il faut prendre des dispositions pour nous réglementer ou bien qu'on mange. Tout dans la cohérence, sauf que nous sommes tous dans la bataille de cohérence sur la terre. Que ce soit même au niveau de la Cour constitutionnelle, ce sont des djalélistes, ce sont des partisans, non pas de l'État, mais des individus des partis politiques. C'est dommage. Et là, il y a cumul en bas de mer. Il y a deux aspects. C'est d'abord le point de vue éthique et moral qui est inacceptable. Parce que Moutou a un candidat, a un délibosé à la population, Yemoko. Population, tout ça, la contrat social entre Yonangaï. Ngaï, comme on a Eric Bisselondo Simao. Ou Bisselondo Simao, Eric. Naza mwana esika boye, ma parents nanga boye, na tangi boye, na lingina sala po na communauté na biso boye, parce qu'on part toujours vers une communauté, ça soit peut-être circonscription, ou bien une circonscription électorale. Donc, partenariat on est bandi, contrat social on est bandi wana. Yo aussi si wana na provincial, ok na national, ngai Eric Bisolo, na yana sa sou contrat na bino, ok après na sénatorial, ngai, en fait, ce ne sont pas les mêmes niveaux de contrat, les mêmes types de contrats, ni les mêmes objectifs. Donc, du coup, on signait 4 contrats, provincial, national, sénatorial et gouvernorat, avec un dol. Le dol, en principe, dans le droit, c'est dans un contrat, c'est conduire l'autre partie dans une erreur, mais volontairement. C'est-à-dire un vice caché. Le dol en droit est comme ça là qui contrôle tout ça là qui est katana. Mais il y a un dol moral, éthique, oyo politicien qui a commis un abuso, de pécier à commis coup de niveau. Donc c'est à dire qu'un professeur y était mis là. Donc mais biso, ce sont des contrats intuitifs personnels. C'est un contrat d'Éric Bisselo et avec sa base électorale, pas avec Éric Bisselo sur azate praticien mutu la base électorale. Non. Pour Eric, nous sommes à redéfendre, comme on a dit, sauf ce. Tant que je ne suis pas confondre, ceux qui n'ont pas disponible, c'est à Béli, où je suis en voyage, c'est là qu'il doit devenir mon suppléant, qui doit porter mes idées. Mais il y a un long moyen à ça contre Moussoussou. Très bien. C'est pour cela que pour sanctionner cela, y mettre une volonté, il faudrait que le législateur, ou même impose, que Moutou accumule en fonction dans un même niveau, provincial, national. Soit il renonce automatiquement là, sinon, et s'il renonce, il y a été suppléant ailleurs, non. C'est-à-dire, oh, le moussous a gagné qui t'es, à sa place. Très bien. Et ceux qui, a boyko démissionné, accumulé la fonction, un dixième, il y a électorat, il y a suffrage, wana. Ceux qui est lobby, non, par pétition, que tout ça contre ce qu'il a fait, il ne perd pas seulement contrat, il y a provincial ou il y a national. Mais il perd l'ensemble des contrats, même sur Akomaki, gouverneur, à perdre gouvernorat, à perdre sénatorial, à perdre provincial et national. Il faudrait qu'il perde tout. Il soit même sanctionné, il n'y a qu'à se présenter que dans 5 ans. Il faudrait que nous en arrivions là. Parce que c'est une infamie intellectuelle, morale, tant que Maningam Soutoussan a quatre sa plateau, parce qu'il supporte le pouvoir, parce que leur autorité morale peut accumuler toutes les fonctions et sa famille et ses maîtresses. Qui produit des intellectuels, des politologues, des scientifiques, des juristes, des gens qui sont de nature à chercher un travail, mais qui ne trouvent pas parce que nous avons considéré que c'est moins compliqué. Mais le problème, c'est ça. C'est quel parti politique fabrique les élites? Le parti ça a raison. Et je l'encourage à rester. Si les partis dans son parti politique est tel, parti n'y a pas de monde, un tel a tchaka ban en a ciment. Même si on a un peu de miettes, il faut tuer ce parti-là. Il ne faut pas soutenir le mal. Nous sommes dans l'aube d'une révolution. Et la révolution, c'est la nôtre. Et ça, il y a un papaté, un pacaté, un cocoté, ça, il y a un bisou. Mon révolution, il faut que je m'ouvre, moi, pissi, que feuille de laurier, non. Et qu'aux alanéres, ils sont aux alas brutales et violentes, aux alas brutales et violentes. Mais c'est notre destin que nous devons destiner aujourd'hui. Merci. Déco, Patricien, est-ce que le chef de l'État, Kolobateke, est bon?
entre bino na bino ba député bino moto bo légiférer ba tout ce qui est ba loi wana comme bozo yo kanate ngai chef de l'état na imposé soit loi nationale soit provinciale soit mais cumul des fonctions internet chef de l'état a quoi qu'il soit pouvoir anate tant que garant alors ba que non ngana décider ça la bongo. Mais non, malheureusement non, parce que ebi na ba loi et koko za la proposer gouvernement koko y a une proposition de loi et koko t'es pas député mori consort, c'est ce qui a été fait lors des législatives passées, ba proposer qui est zalaté. Mais bango moko lisanga banganga ba bi non bobo mais la vie soko pe zalaté. C'est pourquoi je dis la société a sa grande part. Vous savez, je prends le moment de libération du Congo, pourquoi? Parce que je vois des repères chez nous, par exemple. Il est interdit, na statut na biso, que comme le président parti Jean-Pierre Bemba est de l'Équateur, secrétaire général ne peut plus être de l'Équateur. Il est de la province orientale. Bazu mususu ba pesi ou auti na ba Congo. Mususu auti na Mbuji, na Grand Kasai. Ligue des jeunes des grands Kassai. Ça veut dire que au moins la répartition sur le plan régional les a respectés. Au moins on attend où il y a coupé sa poste. Tu verras que dans MLC le bateau mingi bazaraba ministre c'est soit de la province orientale. Pourquoi? Parce que seulement tout le monde, non. Le président est Mungala. Vous ne pouvez pas commencer seulement à donner Bangala parce que le baki parti na biso. Mais regardez ma partie en gros. Ce qui a été banana été à côté à Moutou ya province na yekaka pour partir na bango. Mais c'est grave. C'est pourquoi la société a une part. Yangon de moni makamoto tu ko futo ta ko fêter je sais pas 34 ans yaba. Ya libéralisme ya parti politique ou multipartisme ici. Nous devons nous l'élite de la société na éviter ce qu'il y a encore des intellectuels dans ces pays parce qu'il y a des mots partout. Des mots partout, nous avons sa tribune à Zaté, mais malheureusement, les professeurs sont devenus des corrompus. Bah, professeur... Non, le Congo est malade. Malade, mais il faut ce que tout ça. Le chef de l'État a un rôle à jouer. Non, nous devons réfléchir. Le chef de l'État lui-même, il faut imposer à Kaka la critère où il est capable de faire. Le quoi, le gouvernement? Non, madame Toulouka Lobi, non, il y a trois personnes, mais je veux des jeunes. Par exemple, à Lobela. Mutuwa bati ko pesa nga kombo bati te. Parce que na parti na yo, batu musu pe bazali, tu as des ligues de jeunes, tu as des ligues de femmes. Ayebi si batu musu suna lingi ko mona, mutu ya famille na yo te. Parce que madame, ce qui mutu ye moko famille na ye, député national, sénateur, gouverneur, aye soazou mon ane ministre. C'est compliqué. Et puis malheureusement, le niveau de la jeunesse aussi pose problème. Parce que, au moins na mutu ya lo binga na communiquant ya, ya bati lukwebo ye azatambola kala moto azana nzala mais bauti kozwa sécurité place avanda ka insécurité place avanda ka mais Serge bati député ba invalida ki ba mususu ba etala ki bangote mais ya ya wapo wa pesi $1000 alobela kaka Serge bati la le prince. Non, j'appelle cette jeunesse là la conscience ya kuluba ki vous avez des valeurs, vous avez fait des hautes études. Et tout biso bana ba bula totanga ka koleka bango mingi. Parce que ngala ke kuna na face ngu bana li kolan zete na biawa, il faut na li a boko na silisa parce que c'est l'héritage ngana non. Vous avez ces diplômes là, je sais que le travail c'est difficile, je sais que c'est compliqué à cause du circuit. Mais Dieu balobaka, le combat face au destin, on est toujours perdant. Dicton Morori c'est lobaka, des personnes au destin pendu ne se noient pas. Ce qui est l'Obama qui est aux alas, ce qui n'a attendu les gens pas à battre, c'était tout. Babé, caméra là n'était pas passé par Nini, besoin que je crois, n'a plateau à télévision, selon Ninaï Moko. Il défendait bien, il avait des raisonnements cohérents comme ça. Babé, non, ben, il a un nommé. Tu n'es pas censé s'aimer à cause de ça qui dit les listes, non. Nous, dans le mouvement de libération, et puis les partis politiques ont des rôles à jouer. Bissot, par exemple, dans le mouvement de libération du Congo, on vous dit exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas qu'on bounde dans le plateau de télévision. Il ne faut pas qu'on bounde dans le plateau de télévision. Pourquoi? C'est parce que l'école n'y est pas. Aza n'est ni passé par l'idéologie. Ata drapeau, vous êtes de quel courant? Ayebite. Mais à l'obino, qui a communicaté. Et puis, les bilots, on va communicater. Et comme ils ont dit, communicater. Donc, ça devient compliqué. Et puis, malheureusement, vous les journalistes, vous avez dit que 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 v
n'y est pas. Biso to lingi siko ok. Cette nouvelle classe politique ne sera tirée que par baro to mona kawana. Mais to lingi ki batongo bazana mo dose ya qualité, la médiocrité ko ki mango et puis ko zana courage. Ya ko yebisa na président, non non président, ici ce n'est pas les clans. Je crois que bazana ba statut parce que biso na moment de libération du Congo, c'est statutaire. J'en ai dans mon téléphone. Tout acte posé par secrétaire général, Moutou à Fédération, il y a des bosses dans ça, attends, on va publier en gros Nathalie Nostati. Ce qui est conforme, oui. Ce qui est conforme, maintenant, il y a un mot qu'on comprend qu'il y a ou bébé, si pas quoi attaquer ou qu'on retire. Pourquoi? Parce que seulement la personne, le visionnaire du parti, lui-même a commis les binos livres, les choix de la liberté. Pourquoi il a créé son parti? C'est un très beau livre. Oui, il vous dit, je l'ai créé pour des démunis, je l'ai créé pour que ma tribu tout va sangana. Je l'ai créé pour que l'inégalité zalate. Je l'ai créé pour tous en Congo digne. Yo si un tribalisme, MLC, ça ne marchera pas. Matondi ndeko Patricia, tokomo komana suka vraiment. Matondi suka ndeko Eric, est-ce que c'est possible que ba ministre o ba kozala nommé na gouvernement soumis bazala ba député national ou bien ba député provincial? Oui, c'est tout à fait possible. Vous savez, c'est ça qui dans Zoloba, tu as eu le geste, mon gars, il y a eu le théorie, c'est simple. La seule chose qui est obligatoire constitutionnellement, c'est la représentation régionale dans le gouvernement. Il n'est pas obligé d'être député, il n'est pas obligé que ce soit un homme ou une femme, quoique la promotion des parités fait partie. Maintenant, ce n'est pas une obligation dans la composition gouvernementale. Il n'est pas obligé, il y a d'un grand parti politique, où il n'est même pas obligé que Bazal ait une assemblée nationale. Donc, le chef d'État ou le chef du gouvernement, en principe, si on est dans un État, aujourd'hui, on est dans une configuration de président fort. Présidentialisme, c'est-à-dire le chef d'État a la majorité partout. Il peut tout à fait en poser une des questions, qu'on posait dire non, 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 question cumule, bon, tiens, on a projet de loi, gouvernement, mais marron, bon, votant. La majorité lui appartient. Très bien. À quoi il peut quoi imposer? Il dit, voilà, moi dans mon gouvernement, je tiens à Tigili, ma Toulouka, Atala, Atala, maintenant, Lingi, Koutou, Batou, Baza, Barozanakat, Baoutana, certes, ma partie partenaire, pour pas compliquer, pour gouverner les cabines, pour que les bosses. Mais, effectivement, Baza, pas forcément en totalité, tu as parti, il y a parti politique et l'Assemblée nationale. Il peut tout à fait dire, je donne 10% à la société civile, 10% à l'opposition du membre du gouvernement. Oui, il y a tout état la poids. Non, il n'y a pas de question de poids. Politique. Non, ça n'existe pas dans la Constitution. C'est l'obligation de représentativité régionale. Le reste appartient exclusivement à la discrétion du chef de gouvernement et du président de la République. Mais l'intérêt en est que lorsque le gouvernement Azolinga Azouabatou, ou Bazo représenté la partie politique de l'Assemblée nationale, il y a pour éviter que l'Assemblée nationale et comme bêtise Nibakou à chaque fois. On se comprend. Animosité limo. Mais étant donné que la partie politique va passer déjà battu, ça veut dire qu'ils sont partenaires avec le gouvernement. De toute façon, si le chef d'État veut laisser un symbole fort, c'est la dernière chance. Il n'a que 3 ans en fait. Hein. Ouais. Pour constater qu'il a 4 ans, il n'a 3 ans parce que la dernière année c'est électoral. Moutoumouta, on a occupé ma camionne, ma chantier, n'a été à l'Ibisoussouste. Comme il a un moment, on a président. Ah, il tombe. Matondi Mingineko Eric, Matondi Ndeko Patricia, tokomi na suka pona Congo, ya lelo mercredi 1er mai, tokutani bongo lobby pona ba thématique ya sika, bonne fête de travail à tous les travailleurs. Et nous les chômeurs, bonne fête quand même. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon économie facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tirer la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application sans doivre au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a un PSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bon nouvelle, Miami Balais, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Mokona Lelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.